spectateurs, je vais donc vous présenter aujourd'hui une histoire à la fois tragique et fascinante. C'est celle du jeune roi Sébastien de Portugal, disparu au cours d'une campagne conduite au Maroc en 1578, et un personnage qui va être à l'origine d'un véritable mythe, celui du roi perdu, du roi caché, puisque pendant de nombreuses années, eh bien, sa mort sera mise en doute et on attendra son retour. C'est un phénomène qu'on a pu observer en d'autres circonstances. Je renvoie à ce sujet au remarquable ouvrage d'Yves-Marie Berset qui s'intitule « Le roi caché », paru aux éditions Fayard il y a déjà quelques années. Alors, Sébastien de Portugal, en 1578, il a 24 ans. Il a décidé de soutenir l'émir saadien Mohamed Al-Masrour qui régnait sur le Maroc, mais qui a été chassé du trône de Fès par son oncle Abdelmalik. Et les Portugais voient dans cette affaire, dans cette querelle dynastique, l'occasion de renforcer leur emprise dans le royaume chérifien. Ils sont déjà présents à Ceuta, à Tanger, à Arzila, et ils comptent sur cette opportunité pour confirmer leur présence donc de l'autre côté du détroit. C'est pas une initiative absolument nouvelle. À 20 ans déjà, le jeune Sébastien a conduit une expédition dans la région de Tanger, à l'appel également d'un prince marocain. Il a même sollicité le roi d'Espagne, Philippe II, pour une expédition envisagée à la fin de 1576, mais Philippe II était resté sur une prudente réserve. En tout cas, il embarque le 24 juin 1578, c'est une grosse expédition qui part vers les côtes marocaines, 800 bateaux, galions, caravelles, 20 000 hommes pour les effectifs du corps expéditionnaire. On fait des escales à Lagos sur la côte sud du Portugal, à Cadix en Espagne, et puis on débarque à Tanger et Arzila pour aller affronter donc Abdelmalik, l'adversaire désigné. Là, une première erreur, Sébastien s'éloigne de la côte, c'est-à-dire qu'il va se priver ainsi de l'appui de l'artillerie qui était installée sur ses vaisseaux. C'est un peu risqué, il est un peu trop sûr de lui. Et le résultat, eh bien, le 4 août, quand les deux armées adverses se rencontrent, Aksar el-Rebir, que l'on connaît sous le nom d'Alcazar Kivir, eh bien, nous nous trouvons là sur la route de l'Arrache. Les choses vont très mal se passer, la chaleur est accablante, l'armée portugaise souffre d'une grande fatigue après une marche harassante, et en face il y a 40 000 cavaliers morts qu'il va falloir affronter. Une bataille qui va durer 5 heures et qui va se terminer sur une défaite des Portugais, une bataille très meurtrière, en tout 12 à 14 000 tués, 5 à 6 000 Marocains, 7 à 8 000 chrétiens, 8 000 captifs chrétiens également à l'issue. Et puis surtout, Moulay Abdelmalik est tué au cours de la bataille, Mohamed El-Masrou lui se noie en s'enfuyant, et quant à Sébastien, il est porté disparu. Donc cette bataille des trois rois, pour reprendre le titre de l'ouvrage de Lucette Valency, paru aux éditions du Seuil il y a quelques années, cette bataille des trois rois se termine ainsi sur la disparition des trois principaux protagonistes. Alors, à ce moment-là, cette disparition est lourde de conséquences, parce que Sébastien n'a pas de descendants. Et son cousin, Philippe II d'Espagne, fils, il faut le rappeler, de l'infante Isabelle de Portugal, qui a été l'épouse de Charles Quint, eh bien, il a évidemment des droits à faire valoir au trône de Portugal, puisqu'il est le petit-fils du roi Manuel. Alors, du côté portugais, on ne voit pas les choses, évidemment, de cette manière. On va aller chercher un oncle de Sébastien, le cardinal Henri, qui vivait au monastère d'Alcobaça, pour lui demander d'occuper le trône, de récupérer la couronne, ce qui est fait donc dès le 28 août. Hein, le peuple a été informé solennellement à l'occasion d'une cérémonie organisée à la cathédrale de Lisbonne de la disparition de son roi. Un ambassadeur de Philippe II auprès de Sébastien, qui l'a accompagné pendant cette expédition, apporte son témoignage sur les
les conditions dans lesquelles il aurait disparu, dans lesquelles il aurait été tué. En effet, cet ambassadeur de Philippe II a été immédiatement libéré par les Marocains. Il avait été fait prisonnier parce que ceux-ci veulent maintenir de bons rapports avec leur roi catholique, bien sûr. Et il va ensuite donner son témoignage à un chroniqueur génois, Gianfrancesco Franchi de Conestaggio, qui va raconter dans son histoire de la réunion des royaumes de Portugal et de Castille, qui paraîtra en 1589, donc une dizaine d'années plus tard, il va raconter les conditions dans lesquelles Sébastien aurait disparu. Le roi aurait perdu son étendard, il aurait eu 3 chevaux tués sous lui, il aurait été tué par des morts ignorant qui était leur victime. Alors certains disent non, il a seulement été blessé au bras, il se serait enfui, donc il y a un certain flou dans les témoignages. Pourtant, le cadavre est reconnu par un certain nombre de nobles portugais qui ont été faits prisonniers. On a retrouvé aussi le cadavre du prince marocain que Sébastien était venu soutenir. Ce corps de Sébastien, il est racheté dès l'automne 1578 par les moines trinitaires, spécialisés dans le rachat des captifs en terre musulmane. Ils versent pour cela une rançon et ils vont emmener ce corps à Ceuta, où il va être inhumé dans la chapelle Saint-Jacques du couvent donc des Trinitaires à la fin de 1578. Oui, mais les choses ne sont pas aussi simples, car la rumeur tout de suite va se répandre que Sébastien n'est pas mort. Ses compagnons prisonniers l'ont reconnu, mais ce n'était qu'une feinte afin de faciliter sa fuite. De toute manière, le cadavre qui leur a été présenté était défiguré, il portait 5 plaies d'armes blanches, il avait reçu 2 arquebusades. Tout cela crée d'emblée une certaine confusion, un certain doute. D'autres événements viennent confirmer ces interrogations. On voit par exemple des fuyards arriver à Arzila pour y chercher refuge, et l'un d'entre eux prétend être Sébastien afin qu'on accepte de leur ouvrir les portes qui étaient hermétiquement fermées. C'est certain Diego de Melo, donc, qui se fait passer pour le roi. Là aussi, ça contribue à entretenir des rumeurs et des hésitations quant à la confirmation de la disparition du souverain. Une autre rumeur fait état d'un embarquement caché du roi, d'un blessé mystérieux qui aurait été soigné par un médecin, Mendes Pacheco, au Portugal, dans un ermitage perdu de la Serra de Guimarães. Toutes ces rumeurs donc se mettent en place très vite dans les mois qui suivent la disparition du roi. En 1579, la peste s'abat sur le royaume. La même année, 1 millier environ des captifs qui avaient été faits prisonniers l'année précédente sont rachetés. Et puis, le problème de la succession va se poser parce que le cardinal Henri, qui avait succédé à Sébastien, qui était son oncle, va mourir en janvier 1580. Un certain nombre de nobles vont proclamer roi Antoine, qui était un fils bâtard de l'infant Louis, qui était l'un des fils du roi Manuel de Portugal. Et Antoine, eh bien, il est populaire dans l'opinion parce qu'on ne veut pas évidemment d'un souverain espagnol. Il a accompagné Sébastien dans l'expédition au Maroc. Il a été prisonnier seulement 40 jours. Sa rançon a été rapidement payée. Et l'Assemblée de la noblesse, en juin 1580, va le proclamé roi à Santarém. Oui, mais on ne pense pas les choses de la même manière, on s'en doute, du côté espagnol. Et dès le mois de septembre, le duc d'Albe arrive à Lisbonne avec un corps expéditionnaire pour installer, évidemment, Philippe II d'Espagne comme Philippe Ier de Portugal. Le malheureux Antoine n'a d'autre issue que de fuir en France. En 1581, on va le retrouver au château de Soussigno dans le Morbihan, puis à Beauvoir-sur-Mer, puis à La Rochelle, finalement à Paris, où il va mourir en 1595. Alors, qu'en est-il de Sébastien? Eh bien, la rumeur persiste aux Açores, notamment, où on considère qu'il n'est pas mort. On considère qu'il n'est pas mort, et quand les Espagnols tentent de débarquer aux Açores pour s'y installer, eh bien, ils sont complètement rejetés en juillet 1581. Et les Portugais défendent l'archipel au nom du roi Sébastien qui aurait survécu. Donc ça, c'est un signe également tout à fait intéressant. Pendant ce temps-là, Philippe II
réside à Lisbonne pendant environ 2 ans, mais après il va partir, il va laisser le cardinal Albert d'Autriche le représenter dans la capitale portugaise, et cette vacance du pouvoir va contribuer là encore à légitimer d'une certaine manière l'attente du roi supposé disparu. Et puis les rumeurs s'accumulent. On apprend par exemple que Sébastien aurait souhaité faire pénitence pendant 7 ans parce qu'il avait conscience d'avoir entraîné son armée dans une affaire bien malheureuse. Il se le reprochait, ce qui expliquerait son silence, pourquoi il serait resté ainsi à l'écart. Mais 7 ans, ça veut dire qu'en 1585, eh bien, on peut s'attendre à le voir réapparaître. Et correspondant à la rumeur, ça ne manque pas. Vous avez un ermite qui s'installe à proximité de Lisbonne, qui se prétend Sébastien. On se rend compte très vite qu'il n'est en fait que le fils d'un potier. Il sera envoyé aux galères en 1584, mais il sera un rescapé de l'invincible armada ensuite, et on va le retrouver à Paris, prétendant toujours être Sébastien de Portugal. Ce n'est pas le seul prétendant. Un autre ermite installé à Erichena, à l'embouchure du Tage, lui, c'était un fils d'un maçon qui avait été novice chez les franciscains. Hein, il va réussir à rassembler quand même autour de lui de nombreux partisans, quelques milliers de partisans, au point de représenter un danger pour le pouvoir établi. Il sera finalement pendu. À côté de ces personnages qui se prétendent le roi disparu, il y a aussi tout un sébastianisme savant qui se constitue. Hein, des moines notamment, des clercs, hein, Joao de Castro par exemple, qui est un partisan d'Antoine que nous avons vu mourir à Paris en 1595. Il ressort des textes prophétiques de clercs qui avaient vécu quelques années plus tôt. Des textes qui évoquaient celui que l'on appelait le cachet au encoberto et qui devait un jour venir redresser en quelque sorte le Portugal. Certains vont y croire. Antonio de Meneses va se rendre dans une expédition sur les côtes africaines pour aller rechercher un Sébastien qui serait resté et que l'on espère retrouver, mais Antonio de Meneses va mourir au cours de cette expédition. Mais d'autres vont prendre le relais. Un religieux augustin, frère Miguel de Santos, va relancer l'affaire à la fin des années 1580. Il va surtout se gagner la confiance d'Anne d'Autriche. Alors Anne d'Autriche, ce n'est pas la nôtre, ce n'est pas l'épouse de Louis XIII, hein. C'est la fille de Don Juan d'Autriche. Et cette fille de Don Juan d'Autriche, elle était novice dans un couvent de nonnes à proximité de Valladolid, et il va la convaincre de la survivance de Sébastien. Elle va lui apporter en quelque sorte son soutien. Il va même aller plus loin, il va lui présenter un jeune homme qui est un Espagnol, qui s'appelle Gabriel de Espinosa, et qui ne sait même pas le portugais, et va lui présenter comme étant Sébastien, ayant beaucoup souffert pendant son séjour africain. Tout ça se terminera mal, puisque ce personnage va finalement, Miguel de Santos, va être pendu, et la créature qu'il avait présentée comme étant Sébastien aussi, en 1595. Quant à Anne d'Autriche, elle sera enfermée un temps à Avila, et c'est le roi Philippe III qui la libérera, et elle finira à Besse du couvent de Las Huelgas de Burgos. Ça se terminera mieux pour elle, cet épisode-là. Alors il y a un personnage beaucoup plus sérieux, si l'on veut, et qui va entretenir pendant longtemps une certaine incertitude, c'est celui que l'on appelle le Sébastien de Venise. Là encore, on a le même scénario, le même schéma. Le personnage aurait survécu entre 1578 et 1598. Il ne se serait pas manifesté à cause du remords que lui inspirait son échec. Il aurait eu une vie aventureuse tout à fait extraordinaire. Il serait passé par Alexandrie. Il aurait visité le royaume du prêtre Jean en Éthiopie. Revenu d'Afrique, il aurait circulé dans
dans toute l'Europe, il aurait séjourné à Paris en 1586, et puis on le retrouve finalement ermite en Italie, également mendiant, affirmant donc être Sébastien, cherchant à rencontrer sans succès le pape Clément VIII. Mais celui-là, c'est un client un peu plus sérieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui le reconnaissent. Hein. Alors, il est finalement arrêté en 1598, malgré le soutien que lui apporte un certain nombre de religieux. Il était à l'époque à Venise. Il va être chassé de Venise après avoir fait 25 mois de prison, réussir à s'assurer le soutien d'un certain nombre de partisans, João de Castro dont je parlais tout à l'heure, Pantaliano Pessoa, qui sont des clercs, qui sont convaincus de la survie de Sébastien. Il n'y a qu'un ennui, c'est qu'il ne ressemble pas beaucoup au défunt. Alors on admet que l'air de barbarie lui a noirci le visage, c'est-à-dire il est un peu plus bronzé que ce que l'on pourrait attendre. Il poursuit son errance après avoir quitté Venise, on le retrouve à Padoue, à Ferrare, à Bologne, finalement à Florence. Là il est arrêté à Florence et mis au cachot au Barguello. L'ambassadeur d'Espagne, il faut dire aussi, veille au grain, hein. Il ne s'agirait pas que ce personnage réussisse à prendre suffisamment de crédit. On s'intéresse à lui aussi en France, à la cour de France. À ce moment-là, elle est présente à Lyon pour négocier la paix avec la Savoie. Et on a tendance à prendre au sérieux cette histoire de Sébastien. Alors les Espagnols s'en inquiètent, s'en irritent, et finalement, les Espagnols vont obtenir la livraison du personnage par le grand-duc de Toscane, les Espagnols qui sont présents dans les présides de Toscane, à Piombino, Orbitello, qui contrôlent l'île d'Elbe également. Et c'est comme ça que Sébastien va se retrouver livré par Ferdinand de Médicis, le grand-duc de Toscane, et va se retrouver de nouveau en prison. Mais en même temps, l'insistance que met l'Espagne à s'en prendre au personnage a tendance en quelque sorte à légitimer ses discours et son récit. Et l'imagination aidant, on ne lui accorde que plus de crédit du fait de tout cela. Le vice-roi de Naples demande à voir le personnage. Lui, c'est un ancien diplomate, il a connu Sébastien de Portugal. Bon, évidemment, il ne le reconnaît pas du tout, il le prend même pour un fou, oui, mais à la fin d'octobre 1601, le vice-roi meurt. Hein, on y voit un signe de la Providence, et en plus, la rumeur se répand, évidemment, sur son lit de mort, il aurait déclaré avoir en fait reconnu le roi de Portugal disparu. Hein. En fait, le prétendant en question était un Calabrais du nom de Catizone, qui a été reconnu par des témoins contestés par ses partisans, évidemment. En 1602, on le condamne aux galères, on le condamne à vie aux galères. Hein. En fait, il est plutôt bien traité sur les galères d'Espagne. On le transfère même à la forteresse de Sanlúcar en Andalousie, et puis on le garde là, sans plus. Mais les rumeurs d'un complot qui se mettrait en place au Portugal pour favoriser son retour et pour se réclamer de lui et afin d'obtenir l'indépendance du royaume qui a été de fait rattaché à l'Espagne font que là les choses changent. Alors là on va l'interroger de manière beaucoup plus brutale, hein. Il va être torturé puis il avoue tout, il avoue sa véritable identité. Certains de ses partisans comme le dominicain Sampaio doivent également reconnaître les faits et vont se retrouver trouvé pendu en octobre 1603. Quant au prétendant, il va subir le même sort à Sanlúcar. On va le pendre au même moment. Alors, ce qu'on appelle le sébastianisme, donc, a connu une postérité tout à fait étonnante après la disparition du souverain. Et les choses ne sont pas terminées avec la mort de cet imposteur calabrais. Venise, par exemple, va être touchée par la foudre, par des inondations qui sont perçues comme des signes providentiels de punition de la République sérénissime qui a emprisonné puis chassé le personnage. On fait état de divers prodiges sur la tombe d'Alphonse Henri Ier, qui a été le premier roi du Portugal, dynastie d'origine bourguignonne, comme on sait, eh bien, un certain nombre de chanoines qui sont réunis autour de cette tombe et qui s'interrogent sur la canonisation de ces
Saint-Sébastien, eh bien, il y a des coups répétés qui viennent du tombeau, hein, qui semblent correspondre à une approbation donnée par le souverain fondateur du royaume portugais. Et puis, d'autres rumeurs courent selon lesquelles il aurait été en fait gardé en prison au large de Palerme, dans la petite île d'Alicudi. On le voit, l'imagination travaille toujours. Ce qui va contribue à calmer les choses, c'est ce qui se passe en 1640 avec la restauration de l'indépendance portugaise, l'avènement du duc de Bragance, Jean IV. En fait, à ce moment-là, ce que l'on va mettre en avant, c'est que Jean IV, c'est lui le roi caché, c'est lui que l'on attendait pour redonner l'indépendance au Portugal, le sébastianisme apparaissant en quelque sorte comme une ruse, pour une fin, comme une feinte pour tromper l'occupant espagnol, comme une ruse évidemment céleste, une ruse de Dieu, hein. La véritable restauration se préparant à travers la maison de Bragance et Jean IV apparaissant comme le vrai roi caché. Tout ça n'est pas terminé pour autant, un prêtre portugais du Brésil, le père Vieira, va lui se lancer dans la prophétie d'un cinquième empire à venir qui serait un nouvel empire portugais lié à la réapparition de Sébastien, encore une fois, cinquième empire qui permettrait la destruction des Turcs et la conversion des païens, tout cela pour donner en quelque sorte une destinée providentielle au royaume de Portugal. Quant à la dépouille du roi qui avait été installée à Ceuta, eh bien, elle est transférée au Portugal à la fin de 1580 dans l'église Sainte-Marie du couvent des Hiéronymites de Belém. Hein. Et sur le mausolée qui est dressé en 1682, eh bien, on lit cette formule. Sébastien est de ce tombeau, si ce qu'on dit est vrai. Une mort précoce l'emporta sur les rivages africains. Qu'on ne taxe pas d'erreur celui qui croit que le roi vit. Selon la loi chrétienne, la mort pour le disparu fut pareille à la vie. Donc, une espèce de message tout à fait ambigu qui tendait à montrer que ce roi caché, ce roi disparu, eh bien, continuait à veiller désormais sur le royaume de Portugal. Connaissez-vous Lady Esther Stanhope? Peut-être pas, et c'est très bizarre que cette femme extraordinaire ne soit pas passée à la postérité plus que ça. Alors, Lady Esther Stanhope, c'est la fille d'un lord qui s'appelle Charles Stanhope. Elle est née en 1776, évidemment c'est une Anglaise très bon teint, elle est née dans un château. Son père est un lord extrêmement original, par exemple il refuse de porter la perruque quand il se rend à la cour. C'est un savant reconnu, il a des idées progressistes, il soutient les Américains. Il est libéral à un point, on dirait qu'il est d'extrême gauche aujourd'hui. Et il a épousé la sœur de William Pitt, qui lui est plutôt à droite, dirons-nous. Et ce couple va avoir trois enfants, dont l'aîné est donc Esther, et puis deux autres filles. Et Lady Stanhope ne se sent pas très bien, elle est malade. La petite fille dit à son père, peut-être qu'on pourrait acheter à maman un beau carrosse pour aller la promener dans le parc. Il lui répond sèchement, mêle-toi de tes affaires. Et le soir même, la maman est morte. Et Esther en voudra toujours à son père. Le veuvage ne l'a pas d'ailleurs accablé, puisqu'il se remarie très vite avec une mondaine, futile, méchante, idiote, qui va lui donner trois garçons. Et là, avec Esther, c'est la guerre. Quand elle a 9 ans, l'ambassadeur de France vient dans le château de son père, à Scheveningh, et il lui fait une révérence, il la traite comme une lady. Du coup, la nuit suivante, la petite prend une pèlerine, va voler une barque et essaye de regagner la France à la rame en disant « Je serai beaucoup mieux au royaume de France que dans le château de mon père qui décidément est un gros abruti. » Elle va être attrapée quand même. Le père est furieux. C'est pas des coups de fouet, non, il va la placer 3 mois comme gardeuse de dindons. Il ferait ça toujours avec ses enfants. Quand il n'est pas content de ses fils, il les met en apprentissage chez un savetier ou chez un forgeron. Après tout, c'est pas plus idiot que des coups de fouet. Et puis, quand elle a 14 ans, vraiment, elle n'en peut plus du père et de la belle-mère et des petits frères, et elle se sauve, elle va chez son oncle,
donc William Pitt, dit Stanhope Street. Elle sonne et elle dit « Bonjour mon oncle, je suis Esther Stanhope ». Et Pitt, qui n'a pas d'enfant, qui est seul, est ravi de voir cette gamine poussée en graines. Elle fait déjà 1m80. Alors on ne sait pas trop si elle est vraiment jolie ou juste originale avec une classe et une personnalité folle. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant plus de 10 ans, elle va être en fait la maîtresse de maison de Dean Downing Street. Elle va recevoir toute la classe politique. C'est une jeune fille extrêmement intelligente, qui lit énormément. Bon, le père avait 10 000 livres, elle avait bien commencé à lire. Elle s'intéresse à la politique, elle s'intéresse à l'économie, elle s'intéresse aux sciences. Et c'est une cavalière absolument extraordinaire, ce qui n'était pas si courant que ça chez les filles. Son oncle, de temps en temps, lui dit « Esther, il faudrait songer à te marier. » Elle dit « Qu'est-ce que je fasse ?» d'un mari. La vie est tellement plus intéressante comme ça. William Pitt va être hélas remercié et elle est fidèle à ce moment-là dans la dèche parce qu'en fait ils n'ont plus d'argent et elle fait face, elle réduit le train de vie. Elle avait des amis un petit peu prestigieux comme Brummel, tout ça, mais bon, là ça se termine. Et elle a un coup de cœur pour un général qui s'appelle le général Moore, mais qui ne semble pas pressé de l'épouser, puis en plus il va batailler en Espagne contre les Français. Et il lui dit simplement « Quand je reviendrai, si je reviens, nous nous marierons ». Et il va se faire tuer, ainsi que un des petits frères d'Esther. Les deux vont être tués dans la même bataille. À ce moment-là, plus d'argent, William Pitt est mort, il est mort à 46 ans, hein, c'était très jeune. Plus de protecteurs, elle se dit « Au diable, vieille Europe ». Surtout que quelques mois auparavant, elle avait rencontré un type qui était complètement allumé, d'ailleurs il sortait d'un asile psychiatrique, il s'appelait Richard Brothers, qui lui avait dit, avec un grand élan comme ça, « Vous serez reine du désert, vous serez reine d'Israël ». Et elle s'était dit, il est complètement piqué. Mais finalement, elle se dit, après tout, l'Orient m'attend, et elle part avec un médecin qui s'appelle Charles Meron, et deux suivantes, elle s'embarque et elle quitte l'Angleterre pour ne plus y revenir. Premier arrêt Gibraltar, elle trouve ça sensationnel, elle est reçue comme une reine, c'est quand même la nièce d'un premier ministre anglais connu, c'est la fille d'un lord connu, puis c'est Malte où elle va passer un an, fête sur fête, elle est vraiment reçue comme une reine, et là elle va rencontrer un beau jeune homme, beaucoup plus jeune qu'elle, parce qu'elle a déjà 35 ans, quelque chose comme ça, il en a 23. C'est un jeune aristocrate, beau comme un dieu, blond aux yeux bleus, la peau rose, mignon comme tout. Et du coup, c'est son premier amant. Et elle est folle amoureuse de ce jeune homme, Michael Bruce, qui n'est pas un foudre de guerre. Hein, c'est elle qui porte la culotte dans tous les sens du terme. Mais ils vont continuer leur périple. Alors les îles grecques, Rhodes, Constantinople. Constantinople, elle se déguise en homme pour la première fois. Et après ça, elle ne va plus arrêter. En quittant Rhodes, ils ont un naufrage. Ils perdent absolument toutes leurs possessions. Elle garde le médaillon du général Moore et sa trousse de toilette. Ouais, c'est déjà ça. Et une fois sauvée, elle est tellement contente que personne ne se soit noyé qu'elle danse sur la plage alors qu'elle est trempée comme une soupe. Et elle décide « Maintenant, je m'habillerai en arabe ». Et c'est ce qu'elle va faire jusqu'à la fin de sa vie. Et puis, elle va commencer à nouer des contacts avec les émirs locaux qui sont absolument époustouflés de cette femme improbable hein, qui va doucement vers la quarantaine. Il y a un émir qui va dire « Bon, bah, y a les hommes ». Il y a les femmes, puis il y a les Anglaises, une troisième race. Et elle a un but dans son délire, parce que ça devient un délire maintenant, elle veut aller à Palmyre et être reine de Palmyre. Or, Palmyre, c'était un territoire totalement interdit, dangereux, mais elle s'arrange pour avoir le soutien d'un émir, d'un sultan, Mehmet Ali. Et elle fait une caravane avec 40 chameaux, elle a des milliers de cavaliers qui l'accompagnent, et elle part vers Palmyre. Entre-temps, elle a viré le jeune Michael Bruce, qui commençait à être un peu pesant dans son genre sextoy. Alors elle avait écrit au père en lui disant « Monsieur, vous vous étonnez, vu mon âge, que j'entretienne une liaison avec votre fils, mais je sais bien qu'on ne va pas se marier, mais j'en ferai un jeune homme à
accompli. Et le père a répondu une lettre extraordinaire en disant « C'est parfait, il est mollasson, vous allez m'en faire un homme, apprenez-lui les bonnes manières, apprenez-lui à avoir du caractère, et quand vous me le rendrez, on pourra le marier et en faire quelque chose. » En fait, on n'en fera jamais rien du brillant jeune homme. Il est rentré en Angleterre dans l'anonymat le plus complet. Et elle, la voilà, reine de Palmyre. Elle fait une entrée absolument extraordinaire dans Palmyre. Elle passe d'abord par la cité des morts, puis elle va au temple du soleil, la grande allée. Elle est couronnée de fleurs par des jeunes filles. Les Arabes se prosternent devant elle. Ça y est, là, elle est reine de Palmyre. Et elle écrit « J'ai été couronnée reine du désert sous l'arc de triomphe de Palmyre. Je suis la perle, le lion, je suis le soleil, l'étoile, la lumière céleste, toute la Syrie chante ma victoire. » À partir de ce moment-là, elle va un peu partir en vrille quand même, parce que ça lui monte à la tête. Bon, elle quitte Palmyre. Entre-temps, elle a eu une affaire amoureuse avec un archéologue français, qui était aussi un espion, mais enfin bon, il s'appelle Vincent Boutin, un type très important. Et il veut aller dans des terrains interdits. Elle lui dit « Non, j'ai un mauvais pressentiment. » Il y va quand même. On va retrouver son cadavre mutilé. Et là, elle va lancer ses copains, les tribus bédouins, sur la piste des assassins. Il y aura quand même 53 villages pillés et 300 villageois passés par les armes. Hein. Elle ne les faisait pas dans la dentelle. Elle va finir par se construire un palais sur le mont Liban, un palais incroyable qui s'appelle Djoun, où elle fait des chausse-trappes, il y a des ponts-levis, il y a des trappes qui s'ouvrent, les ennemis sont précipités sur des pieux 3 mètres plus bas, enfin un truc incroyable dont il reste pas grand-chose, quelques murs. Et là, elle va recevoir qui elle a envie de recevoir, dans la pénombre, toujours habillée en arabe, et elle reçoit des gens célèbres. Elle va recevoir Lamartine, qui est absolument fascinée, qui écrit « Mais cette femme, c'est incroyable, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais vu ». Elle va recevoir le vicomte de Marcellus, celui qui avait découvert la Vénus de Milo. Elle va aussi recevoir des Anglais qui vont dire « Elle est complètement piquée ». Elle devient acariâtre, elle insulte tout le monde, elle n'a plus d'argent, elle est oubliée et elle va mourir à 63 ans, seule. Il reste 2 druzes à ses côtés. Mais quelle aventure, quelle aventure! Et j'ai appris que sa tombe de son château de Djoun avait été réinstallée à l'ambassade anglaise du Liban. Eh bien, c'est mérité. Quelle fille extraordinaire quand même, Lady Esther Stanhope. Chers téléspectateurs, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Pierre Bois, qui est un universitaire, qui a été professeur d'histoire à l'Université de Nantes. C'est un ancien élève d'André Corvisier, qui fut le grand maître d'histoire militaire à la Sorbonne pendant de nombreuses années. Jean-Pierre Bois a débuté en quelque sorte dans la carrière avec une thèse remarquée consacrée aux Invalides sous l'Ancien Régime, et puis ensuite il nous a donné toute une série d'ouvrages de fond, mais en même temps destinés au grand public cultivé, notamment une série de biographies militaires tout à fait innovantes, consacrées à Maurice de Saxe, à Dumouriez, à Bugeaud, plus récemment une biographie du marquis de Lafayette, et puis il a beaucoup travaillé aussi sur l'histoire de la guerre, bien sûr, c'est un spécialiste d'histoire militaire, mais en même temps sur l'histoire de la paix, ce qui peut paraître un petit peu surprenant, mais il y avait un vide en quelque sorte dans l'historiographie sur ce terrain-là, et qu'il a comblé avec talent, avec un ouvrage paru il y a 3 ou 4 ans, je crois. Et aujourd'hui, il nous propose en quelque sorte un complément ou une annexe, si l'on veut, à ce travail de fond sur l'histoire de la paix, avec la biographie de l'abbé de Saint-Pierre, qui
qu'il publie aux éditions Champvallon. L'abbé de Saint-Pierre, personnage largement oublié aujourd'hui, il faut bien le dire, mais qui représente au XVIIIe siècle une figure intellectuelle tout à fait originale. D'abord, il s'inscrit dans cette phase intermédiaire qui voit le passage des temps classiques à l'époque des Lumières, à l'époque de l'Encyclopédie. Hein. Cela correspond en gros à ce que Paul Hasard, dans son ouvrage fondateur, avait identifié comme la crise de la conscience européenne. Et cet abbé de Saint-Pierre, en particulier, on a retenu de lui, ceux qui se souviennent de lui, qu'il a été l'un des premiers inspirateurs de l'idéologie ou de la sensibilité pacifiste. Il a réfléchi justement sur les conditions qui pourraient permettre l'avènement de la paix entre les États en une époque où, aussi bien sous le règne de Louis XIV qu'à l'époque du XVIIIe siècle, eh bien, la guerre faisait naturellement partie du paysage du moment. Alors cet abbé de Saint-Pierre, Jean-Pierre Bois, qui est-il d'abord? D'où vient-il? Quelles ont été les étapes de sa formation? Quelle a été de fait son importance dans son époque? Il est peu connu parce que sans doute sa vie est vide. Je m'excuse de répondre comme ça. au moins jusqu'à 55 ans. Il est né en 1658, donc on est quand même dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. 1658. Il est né en 58. Ah oui. Oui, et il n'apparaît vraiment dans notre histoire, ouais. Alors le moment que vous avez indiqué, 1713. En gros, au moment de la paix d'Utrecht. Ouais. De 58 à 13, à 1713, ouais. Je résume, sa vie se résume à rien. C'est un petit noble de province, oui. Il n'est pas l'aîné de la famille, donc il est destiné soit à l'armée, soit à l'église. Lui, ce sera l'église. Il fait ses études, et puis ça ne le mène pas du tout à avoir une paroisse, il devient abbé, hein, simplement ça. Et il monte à Paris, esprit curieux, un homme insinuant, il se fait des amis partout, il entre un peu dans le clan des Normands, Fontenelle, les deux Corneilles, Varignon, Vertot, il a l'entourage autour de lui. Il est très aimable, il écoute beaucoup, sans doute il écrit, mais il ne publie rien. Il est reçu à l'Académie française en 1694, c'est un des épisodes de la querelle des anciens et des modernes. Il est un atout des modernes contre les anciens, il n'a à cette époque absolument rien publié. Et il fait le discours de son prédécesseur sur son fauteuil, qui est un discours difficile en mars 95, parce que le prédécesseur, lui, non seulement n'avait rien publié à son élection, mais toujours rien publié à sa mort. Donc il a plutôt parlé de Richelieu et de Louis XIV. Et en gros, il observe le milieu intellectuel, le milieu des réformateurs, qu'il connaît tous, Vauban, Boisguibert, Fénelon, et puis après la génération qui suit autour de Beauvilliers, le duc de Bourgogne, il les connaît tous, mais c'est eux qui parlent, eux qui écrivent, et entre 1710 et 1715, ce sont eux qui meurent. Vauban est mort en 1707, c'est le premier de la série, si j'ose dire. Fénelon est mort en 1715, c'est le dernier de la série. Après, il n'y en a plus. Et il y a là un vide dans notre histoire, celui que vous avez caractérisé avec Paul Hasard. C'est exactement ça. Ce vide que les Lumières vont occuper avec fracas à partir de 1750. 51, exactement, publication de l'Encyclopédie. 48, l'Esprit des lois, si on veut. Hein. Entre-temps, il y a l'abbé de Saint-Pierre. Il est le passeur entre les deux époques. Donc il occupe à ce moment-là, lui qui n'était rien jusqu'en 1713, si j'ose dire, je résume, il devient tout après 1713. Et avec un succès un peu inégal, à cause de l'utopie qu'on a attribuée d'abord au développement de l'idée pacifiste que vous évoquez, qui est sa première grande œuvre, et c'est sa plus grosse et sa plus lourde. Curieusement, ce qu'on ne dit pas, plus souvent, parce qu'on l'a beaucoup oublié, vous l'avez dit, il est oublié, l'abbé Saint-Pierre. Lui-même accordait sans doute plus d'importance qu'à son projet sur la paix, à tous ses écrits réformateurs du mode de gouvernement. En gros, j'exagère peut-être un peu, mais je n'hésite pas quand même à le faire, une sorte de pré-Tocqueville. Transformer l'État. Mais il n'en a ni la plume, ni l'écriture, ni la profondeur de pensée, il faut quand même l'avouer. Mais il touche à tous ces sujets. Alors, il a une écriture qui est extrêmement diffuse, qui est difficile à lire, extrêmement confuse. Ce n'est pas un bon écrivain.
C'est un penseur, il ne sait pas diffuser. Mm-hmm. Ça, c'est clair. Hein. Et ses livres ont été oubliés quand l'encyclopédie, qui elle est très bien écrite, mm-hmm. c'est un chef-d'œuvre à ce point-là, hein, quand l'encyclopédie reprend tous les sujets qu'il a abordés. Mm-hmm. Et avec une différence fondamentale, que lui, l'abbé de Saint-Pierre, comme Vauban, comme Fénelon, comme l'aurait été le duc de Bourgogne, hein, c'est un réformateur, ce n'est pas un régénérateur. Les encyclopédistes, ce sont des régénérateurs qui conduisent à la révolution. L'abbé Saint-Pierre n'est pas révolutionnaire. Alors évidemment, c'est le siècle des Lumières qui commence en fait dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Hein. Il n'y entre pas. D'abord, il est mort. Il est mort en 1743. Il est mort en 1743. Donc, cinq ans avant l'esprit des lois. Il est mort à un âge déjà tout à fait conséquent pour l'époque. Pour son époque, il passait pour un vieux philosophe chenu. On l'écoutait avec respect alors à cette époque. Oui, mais Fontenelle a été centenaire. Fontenelle l'a dépassé, bien sûr. Oui, et c'était l'un des grands amis de Fontenelle. Fontenelle, le seul qui n'ait pas voté pour son exclusion de l'Académie française en 1718, car ses écrits politiques, qu'il commence à partir de 1713 avec le projet de paix perpétuelle, qui est quand même le gros morceau qui reste pour nous de son âge. – C'est ce qu'on retient en fait de lui aujourd'hui. – C'est ce qu'on retient. De nos jours, c'est l'ouvrage qui est le plus d'actualité, avec l'idée de paix et l'idée d'Europe. Alors ça demande un développement, on viendra dessus tout à l'heure, spécifique. Mais en même temps, non sans une certaine maladresse, il faut l'avouer, il a utilisé la seule tribune qu'il avait, l'Académie, pour lui servir de support aidant à diffuser d'autres projets, en particulier un projet politique, mais il y en a eu d'autres avant. Il y a un projet de réforme fiscale, où il s'inspire énormément de Vauban, bien sûr, qu'il avait connu. Hein. Un projet de réforme politique où il s'inspire finalement du système de la police inodie, c'est lui qui invente le mot. – Ah oui, c'est lui qui invente le mot de la police. – C'est un inventeur de mots. Hein. On disait les conseils. – Au moment de la régence. – Oui, le gouvernement par conseil, c'est lui qui crée police inodie, plusieurs conseils. Et dans cet écrit, l'Académie n'aime pas le voir jouer ce rôle de… donner à l'Académie un rôle de porte-parole d'une sorte de volonté de réforme politique dans une époque où ce n'est pas comme aujourd'hui. Hein. On se méfie quand on parle un peu trop politique. Et il publie un livre qui, c'est une maladresse, qu'il a payé cher, hein, qui condamne le système politique de Louis XIV, le système de gouvernement très exactement, et son effet immédiat à ses yeux, qui conduit les ministres à la guerre. Hein. Des ministres qu'il traite très mal, mais en remontant jusqu'à Richelieu et Mazarin, hein, en les appelant demi-vizirs pour Louvois ou Colbert, vizir, hein, le mot est oriental, il est à la mode avec les lettres persanes, mais c'est quand même un mot péjoratif, qu'on le veuille ou non, on est en France. Et il attaque directement Louis XIV, qu'il accuse d'être le fauteur de guerre, de toutes les guerres qui ont eu lieu pendant 50 ans en Europe, donc le responsable de milliers de morts, donc il a manqué sa gloire, qui n'aurait pu lui être attribué par l'histoire que sur des développements portant à la paix, autour de laquelle peuvent tourner les arts, la littérature et tout cela, et le bonheur en gros. Alors il a attaqué Louis XIV en des termes qui sont péremptoires, il y a eu une page de trop dans son bouquin sur la police inodie, il n'est pas très gros, hein, mais il y a vraiment une page de trop. Il a été chassé de l'Académie en 2 semaines, et sans défense. Hein, Et alors qu'il était dans l'esprit du temps à l'époque de la Régence, quand le duc d'Orléans s'imposait. – Et puis en plus, il est ses protecteurs, entre guillemets, on est dans une époque où il faut… ce sont les Orléans, il est aumônier de la duchesse d'Orléans, la célèbre palatine, il a un frère qui est le confesseur de la duchesse d'Orléans, enfin bon, il a beaucoup de… il aurait dû avoir le soutien, mais le régent n'a pas voulu le soutenir là-dessus, parce que la condamnation de Louis XIV est trop violente. Et puis, à l'Académie, c'est un crime. Un des devoirs de l'Académie, depuis que Louis XIV s'en est proclamé le protecteur, c'est de faire l'éloge de Louis XIV. Hein ? Tous les ans, on fait l'éloge du roi. Et depuis la mort du roi, septembre 1715, mais on n'a pas encore fini en 1718, les innombrables occasions de faire des panégyriques supplémentaires que l'on trouve dans des numéros du journal de Trévoux, ils en occupent la moitié en longueur. Hein. Donc, il est chassé sans être défendu, il a beaucoup d'amis à l'Académie. C'est un homme gentil, l'abbé de Saint-Pierre. Hein. Il est agréable de contact, un petit peu collant, un peu insinuant. Il écoute trop plutôt que parler trop. Hein. Mais
Là, il n'a trouvé que Fontenelle pour le défendre. Le défendre, mmh, et mettre une boule blanche, celle qui se prononce pour le maintien, mais le tous maintien, les autres, ouais, ont mis la boule noire. Et des blackboulés. Ah, il a été blackboulé, oui, oui, il a absolument. Mmh. Hein. Il n'en a pas voulu à ceux qui l'ont chassé. Il a accusé le coup personnellement. Hein. Il, ouais, il s'est senti blessé. Parce qu'au fond, c'est un homme bon. Un des thèmes de son œuvre à venir, c'est vraiment l'apologie de la bienfaisance. Mmh. Il a inventé le mot bienfaisance, mmh, aussi. Il était peut-être employé une fois ou deux ponctuellement auparavant. Hein. Mmh. Mais le mot, devenu un mot court en la langue, c'est lui. Il écrit un grand passage dans ses travaux pour expliquer que c'est lui qui a créé le mot bienfaisance. Mmh. Hein. Et il veut réformer, mais il ne condamne jamais. Mmh. Sauf Louis XIV, mmh, vraiment. Alors, oui, qu'il a en même temps écrit des annales que Voltaire utilisera après pour sa propre histoire de Louis XIV. Hein. Ouais, ouais. Voltaire qui a dit « pique-pente de l'abbé de Saint-Pierre » et n'hésite pas, ah, à recourir, oui, à ses écrits. Mmh. Ah, mais Voltaire, il est compliqué. Hein. Et alors bon, cet espace-là, il est donc viré de l'Académie. Mmh. Il se retrouve alors dans un temps où il n'y a pas d'Académie politique, il n'y a pas de tribune politique, il n'y a pas de journaux, il n'y a pas de télé, il n'y a rien. Hein. Mmh. Il trouve le club de l'entresol qui devient vraiment le maillon entre le classicisme et les Lumières. Mmh. Il n'en est pas le fondateur, c'est l'abbé Alary. Il y trouve le marquis d'Argenson, mais le marquis d'Argenson a laissé des ouvrages posthumes. Il y croise Montesquieu, mais Montesquieu écrit un livre tous les 15 ans. Hein, il a écrit les lettres persanes, c'est, excusez-moi si je me trompe sur la date, 1721. 21, les lettres persanes, pardon. Je crois, oui. Bon, Rome, la décadence de Rome, et c'est 1734. Et puis l'esprit des lois, 48. Bon, entre les deux, c'est de longues plages qui semblent, mmh, vides. Il y a Voltaire, il connaît Voltaire. Voltaire n'est pas à l'entresol. Mais Voltaire, dans les années 1720-1730, moi, mmh, bon, c'est un freluquet qui court la gueuse, mmh, la gloire, un peu la, mmh, fortune et l'aventure, mmh, un insolent. Mmh. Alors les idées se forment chez Voltaire. Il a produit les lettres anglaises à cette époque-là. 1734. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Et donc c'est encore. Pendant les 10 années 20-30, il, mmh, n'y a rien. Il y a l'abbé Saint-Pierre. Alors il publie, si j'ose dire, ça effraierait les éditeurs actuels, un livre tous les 15 jours, mm-hmm, mais il publie à compte d'auteur, hein, ah, donc oui, pas de, oui, problème. Il, oui, se débrouille avec les éditeurs d'Amsterdam, oui, Jean-Daniel Beyman qui publie, oui, son projet de paix perpétuelle. – Et alors donc, pendant cette période, il réussit quand même à établir, à installer dans la durée, une véritable notoriété. Il est reconnu comme, oui, étant un des intellectuels, entre guillemets, de l'époque, même si le mot, oui, peut être anachronique. – Je vais juste corriger votre phrase. Il n'est pas reconnu, il est connu. Mmh, connu, hein, d'accord. Et, c'est-à-dire, on sait qu'il écrit sur ces sujets. Mmh, mmh. Éventuellement, on le lit. Ouais. On en parle beaucoup, parce qu'il va dans tous les salons, il connaît beaucoup de, mmh, monde. C'est un homme de relations. Hein. Reconnu, ça voudrait dire qu'on se range derrière son autorité. Or, il a plutôt toujours été moqué, mmh, au contraire. Alors, moqué, pourquoi? D'abord, parce que, il faut le dire, je le dis à regret, hein, il écrit mal. Mmh. Son français est mauvais, les phrases sont interminables, entrecoupées de tout un tas de considérations extérieures au sujet, des répétitions incessantes. Un livre de l'abbé de Saint-Pierre, son projet de paix perpétuelle, les trois volumes, ça fait 700 à 800 pages, ça peut se résumer en 30 ou 40 pages. D'accord. Et les autres sont en trop, mmh, elles n'ajoutent, mmh, rien. En plus, il a, bon, le style est un peu lourd, il a pas l'art de la belle phrase, l'abbé, mmh, Saint-Pierre. Et puis, c'est un de ses projets, il a inventé une nouvelle orthographe. Alors oui, la réforme de l'orthographe, c'est un thème, mmh, qui existe, mmh, depuis que l'orthographe existe, mmh, hein, c'est-à-dire depuis qu'on écrit en français, mmh, en gros depuis le milieu du XVIe. Mmh. Hein. Eh bien, depuis le milieu du XVIe, des réformateurs de l'orthographe, il y en a eu un tous les 10 ans. Mmh. Hein. On les connaît peu, car ils ont tous eu le même destin. Hein. Mmh. Des tas de projets mirifiques pour que, enfin, le français devienne une langue facile à écrire, hein, qui tombe dans l'ombre et dans l'oubli 3 ans après avoir, mmh, été formulé. Le projet de l'abbé Saint-Pierre, comme les autres, sauf qu'il a eu, lui, c'est le seul de tous les projets qui date du milieu du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui, il a eu un utilisateur, lui. Alors il écrit des ouvrages qu'on a du mal à, mm-hmm, comprendre quand on lit les phrases même. L'orthographe est surprenante. Ça n'empêche pas de signer, même exclu de l'Académie, toujours, de l'Académie française, mais l'abbé de Saint-Pierre, il écrit ça AB et accent aigu, lui. Mm-hmm. Il simplifie. Il a oublié qu'une langue, c'est une culture, c'est une pensée. Une histoire, un héritage. Mais un héritage fondamental. Mm-hmm. C'est, rien ne se construit si on n'a pas la langue. Bien, hein, sûr. Et lui, il n'a pas su cela.
Alors il écrit un français illisible, ce qui fait qu'il a été pelu, on s'est plutôt moqué de lui. Or il le prend bien, il dit « vous vous moquez de moi ?» Merci, ça veut dire que vous m'avez lu, donc vous me connaissez. Alors, ne vous occupez pas de la manière dont j'écris, hein, mais regardez ce que j'ai écrit, le contenu. Ouais. Alors, venons-en maintenant justement au contenu. Que nous propose-t-il? Parce que ce projet de paix perpétuelle, c'est quelque chose qui peut paraître surprenant en ce début du XVIIIe siècle. La guerre fait partie du paysage, fait partie des relations entre les États, c'est perçu comme quelque chose de normal, si l'on peut dire, de naturel. Alors, il rejette cette idée de la guerre, du conflit. Oui. C'est à partir de quoi? Il a des références antérieures, il y a des penseurs qui l'ont inspiré. Oui, il y a beaucoup d'écrits pacifistes antérieurs, des projets comparables aux siens. Mais le point de départ de sa pensée n'a pas été dans ses projets. Il en a retenu un qu'il prendra comme référence, un peu pour se cacher derrière l'autorité de son auteur, celui de Sully. Celui de Sully, c'est ça. Oui. Qu'il attribue directement à Henri IV. Comme le fait Sully, par prudence, c'est toujours mieux quand ça vient du roi. Alors il parle du projet de Henri IV, continuellement, en précisant qu'à l'époque d'Henri IV, tous les monarques l'avaient adopté, ce qui naturellement est de la fantaisie. Mais ce n'est pas la lecture des écrits de Sully qui ont été transmis d'abord par les économies royales de Sully, puis par l'histoire de Périfix, qui a fait, lui, il en a beaucoup parlé. – Dans sa biographie d'Henri IV, Périfix, l'archevêque de Paris, qui a été le biographe d'Henri IV. – Oui, et il a beaucoup parlé du projet de Sully également. Donc, il a des sources, l'abbé Saint-Pierre. Mais c'est aussi son époque. L'époque, alors, la première partie de sa vie, les guerres de Louis XIV, à partir de la guerre de Hollande, une guerre en fait incessante, avec une très brève période de paix, et la situation effroyable de la France, à partir de la guerre de succession d'Espagne, qu'en plus, on commence à perdre. – Et alors, il y a quelque chose qu'on peut rappeler au passage, mais qui est significatif, c'est que Sully, il est pour la paix entre les États européens, mais il n'y a pas de paix avec l'Empire ottoman. C'est pour réunir les forces des États européens qu'ils doivent être en paix, mais c'est pour taper sur la tête du Turc. – Ah oui, l'abbé de Saint-Pierre, il s'était interrogé sur la présence des Ottomans, l'abbé de Saint-Pierre. Est-ce que je vais les intégrer ou pas dans mon projet de paix? Non. Finalement, c'est quand même des infidèles. Alors, dans l'Europe qu'il imagine, il serait des sortes d'observateurs extérieurs avec lesquels on a des rapports courtois, commerciaux, la paix par le commerce, par les intérêts. Et alors, le point de départ de l'abbé de Saint-Pierre, c'est l'excès des guerres de Louis XIV et l'excès des misères qui les ont accompagnées, pas toutes imputables à la guerre. L'hiver 1694 ou 1709, c'est pas la guerre qui le crée, mais l'état de la France, il pâtit des deux à la fois. – Il interprète, lui, l'époque en chargeant en quelque sorte Louis XIV, en lui donnant la responsabilité de ses conflits. Alors que nous savons bien que les choses ne sont pas aussi simples. Le rôle de l'Angleterre, notamment des Pays-Bas, des Provinces-Unies, ça a été une hostilité constante aux prétentions françaises. Lui, c'est Louis XIV. Pour lui, c'est Louis XIV qui est le responsable. C'est lui qui est chargé. Louis XIV n'est attaqué directement sur ce sujet-là que dans l'ouvrage sur la police inouïe. Autrement, plutôt que Louis XIV, ce sont les rois. Les rois en général. Oui. Et il s'adresse non pas à Louis XIV dans le projet de paix, mais aux monarques, aux rois, aux souverains de l'Europe, tous, en disant, mais votre système politique, celui que vous avez décrit, à l'époque, la guerre est un outil politique banal. Normal, absolument. Il dit, il conduit à la misère, à la douleur et au désastre, etc. Vous avez des morts, vous avez des ruines. Et il essaye de le faire comprendre aux souverains, Louis XIV, comme aux autres, anglais et autres, qu'ils auraient plus d'intérêt matériel à la paix qu'à la guerre. À la guerre, vous allez conquérir des provinces, mais faire des milliers de morts et de malheureux. Avec la paix et le commerce, vous allez faire du butin, du bénéfice, du produit. Vous n'aurez pas de nouvelles provinces. Et son projet de paix perpétuelle s'adresse aux souverains. Et en gros, il est dur à résumer. Il y a trois volumes, et en tout ça fait 800 pages environ, qui sont difficiles à lire. Pour le résumer en trois mots, il faut que je résume beaucoup. Premièrement, il s'adresse aux souverains en leur demandant de conclure entre eux une alliance, au lieu de s'opposer, s'unir. Une alliance, une grande alliance. Deuxièmement, dans le cadre de cette grande alliance, mettre en place au-dessus d'eux une institution, alors qui n'a pas de vrai nom, le nom qu'il emploie le plus souvent, c'est le mot « diète ».
Mm-hmm. Une assemblée, en somme. Oui. Mais de temps en temps, le nom change. Conseil, université, on trouve aussi. Congrégation, le mot n'est pas fixe. Mm-hmm. Mais lui, il emploie plutôt le mot diète. Diète européenne, qu'il écrit d'une manière illisible. Alors quand on trouve, il faut lire deux fois avant de comprendre que c'est ça qu'il s'agit. Mm-hmm. Hein. Une diète qui serait formée de représentants des rois. Alors l'idée n'est pas nouvelle. Sully avait dit la même chose. Mm-hmm. William Penn avait dit la même chose, oui, peu d'années auparavant. Hein. Et cette diète aurait un pouvoir absolu, elle, sur la guerre et la paix. Mmh. Autrement dit, on dépose le pouvoir guerre et paix des rois, on le remet à une assemblée, formée par les représentants des rois, mais ce n'est plus les rois à l'assemblée, ce sont les représentants eux-mêmes qui siègent à Utrecht, cette diète d'Utrecht, et cette assemblée forme une sorte de sénat que lui appelle aussi parfois, c'est le nom qu'il donne à la fois à son sénat et à cette alliance des rois. Il invente l'expression, encore une, c'est un inventeur de mots, il appelle ça l'Union européenne. L'expression, c'est lui, l'inventeur. On devrait s'en souvenir de nos jours, on ne le dit pas. Hein. Mais l'Union européenne, c'est lui qui est le premier à écrire le mot. – Et il prend un peu comme modèle donc, les congrès du Trek de Rastatt qui ont mis fin à la guerre de succession d'Espagne. – Il ne les cite pas, il prend comme modèle le modèle de Sully, ou du Saint-Empire. Oui. Car le Saint-Empire, c'est une structure qui réunit en un seul État, alors il n'emploie jamais le mot confédératif ou fédératif, ça n'existe pas, mais en un seul État, d'innombrables petits souverains, qui, dit-il, alors là il y a une vision quand même fausse, qui entre eux ne se font plus jamais la guerre, ils sont en paix entre eux, et le pouvoir de faire la guerre ou la paix, il est au-dessus d'eux, à l'empereur. Vous voyez, alors, il dit, voilà un bon modèle qui fonctionne, dit-il, en oubliant qu'en réalité, le Brandebourg, qui est en train de devenir Prusse à son époque, c'est quand même un État belliqueux, que dans la guerre de 30 ans, les États allemands ont été partagés les uns contre les autres, donc il oublie beaucoup de réalités. C'est plutôt ça, oui. C'est plutôt ça son modèle. Hein. Mais alors il imagine, lui, que cette assemblée, donc, cette diète, ait le pouvoir d'arbitrer, c'est le troisième point de son projet, on crée une diète supérieure au roi qui peut arbitrer. Alors si deux souverains qui auront signé l'alliance entrent en guerre l'un contre l'autre, la diète intervient et arbitre au besoin, en faisant intervenir ceux qui ne sont pas concernés. – D'accord. – Oui, des médiateurs, on dirait de nos jours, le mot est employé dans le projet, hein, et ces arbitres, eux, avec une armée, Sully prévoit déjà une armée lui également, hein, dans son projet, avec une armée, pourrait imposer la paix au roi. – Pourrait imposer la une paix, donc une paix un peu casquée, un peu bottée, mais c'est le seul moyen de l'imposer, car les rois ne sont que des fauteurs de guerre. Alors là, on va tourner sur Louis XIV après, hein, et parce qu'il donne des exemples précis toujours. Par exemple, une des raisons pour lesquelles les rois font la guerre, c'est le droit dynastique, c'est l'héritage. Alors il y a, j'aurais dû le dire d'abord, excusez-moi, il y a l'appétit de conquête. Bon, qu'on y renonce, les rois font plus de conquête. Mais il y a le droit dynastique, oui, l'héritage. Qui est créateur lui-même de conflits. Oui. On est à une époque, c'est le siècle des guerres de succession, la guerre de succession d'Espagne. La guerre de dévolution, même déjà. La guerre de dévolution posait déjà le problème. Pour l'héritage de Marie-Thérèse, oui. Oui, elle posait déjà le problème. Et l'abbé de Saint-Pierre dit non, vous renoncez à vos héritages. Aucun roi n'aura plus jamais deux couronnes. Un problème entre France et Espagne, hein. Dieu sait qu'avec le duc d'Anjou, ça a été long à régler, hein, devenu Philippe V. Et l'abbé de Saint-Pierre publie son projet, les deux premiers volumes en 1713. En 1714, la reine Anne meurt, hein, et finalement l'électeur de Hanovre, Georges de Hanovre, devient roi d'Angleterre, de couronne. Voilà. L'abbé de Saint-Pierre, il est formidable pour ça. J'aime beaucoup ces gens assez souples. Hein. Il adapte son projet. Il dit, ah, ça, c'est un autre cas, dit-il. Ah, et puis, un réalisme dans cette utopie, il dit, c'est fait. C'est fait, on ne va pas revenir dessus. Voilà, c'est fait, c'est acquis. – Prenons la réalité en compte. Oui. Il n'y a pas une démarche idéologique exclusive, en quelque sorte. – il est dans l'utopie parce qu'il croit que les rois vont renoncer à leurs héritages. Ou à leur conquête d'ailleurs. Hein. Mais il est dans le pragmatisme, il dit, la situation aujourd'hui c'est ceci, on n'y touche plus. Comme si c'est une erreur énorme, comme si un monde politique, économique, social, culturel pouvait être figé.
Il imagine un monde figé. Évidemment, oui. Alors ça ne peut pas fonctionner. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci Jean-Pierre Bois. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'abbé de Saint-Pierre, des temps classiques aux Lumières, paru aux éditions Champvallon. Merci.